fermée au marché d'Angers. Depuis la fin du 19e siècle, la ville d'Angers accueille son marché de denrées alimentaires sur la place Lafayette. Dans cette région réputée pour la douceur de son climat, tout pousse. Allez-y, messieurs, là, magnifique. C'est parti, c'est cadeau. Les perturbations venues de l'Atlantique ne rencontrant aucun relief, les hivers angevins sont bien arrosés. C'est le territoire de Stéphane, un conseiller en communication amoureux de sa ville. Je suis né dans la région, mais j'ai passé la moitié de ma vie à Paris. Mais j'ai fait le vrai choix de venir me réinstaller ici en famille parce que pour moi, il était primordial de faire pousser mes enfants dans un jardin plutôt que sur un balcon. Chaque mercredi et chaque samedi, le jardin de Stéphane, c'est le marché Lafayette. C'est d'abord une promenade familiale avec ma femme et mes deux petits garçons dont l'aîné est ici avec moi. C'est l'accueil chaleureux des commerçants et puis aussi beaucoup d'intérêt pour la production locale. On a des commerçants qui nous proposent des produits d'ici, des produits du terroir, des produits bio. Et pour nos enfants, nos petits-enfants, ils ont 18 mois et 3 ans et demi, il est important de savoir d'où viennent les produits et ce qu'ils mangent, ce qu'on leur donne. Parmi les étapes incontournables du marché, il y a Laurence. Cette productrice de champignons est une encyclopédie de la mycologie. Pour savoir si un champignon est bon, on peut lui faire confiance. Tenez, regardez, il n'y a qu'un test à faire, c'est celui-là. C'est bon ? Donc c'est du costaud, c'est presque momifié, ça ne bougera pas. Puis bon, maintenant je commence à connaître mes clients, je sais que certains vont aimer la fermeté, d'autres la tendresse, voilà. Pour les champignons de Laurence, on est prêt à faire la queue parce qu'ils sont vraiment différents, on profite là d'un produit extraordinaire. Ils poussent à Montsoreau, dans des cavités troglodytes qui donnent sur le dehors, donc j'ai de la lumière naturelle et de l'air naturel. Mais j'ai également plusieurs kilomètres de galerie derrière, ce qui me permet de modifier un petit peu la température et l'humidité selon les vents, selon la saison. Voilà, c'est ça. Alors, je vais vous prendre des fleurons d'Anjou, s'il vous plaît. Allons-y. Je vais vous prendre 8 belles têtes. C'est pour les farcir ? Tout à fait. L'autre nom du fleuron d'Anjou, c'est la galipette. La galipette, c'est la tête d'un champignon type champignon de Paris que l'on farcit avec du fromage frais aux herbes, que l'on peut ensuite agrémenter ou de parmesan ou d'une pointe de chorizo et que l'on met au four. Et ça fait souvent un apéritif très convivial et sympathique et surtout complètement régional. Le fromage qui garnira ces champignons, Stéphane le trouve chez Florent. Bonjour monsieur, comment allez-vous ? Il lui a mis de côté un fromage frais aux herbes de Provence, produite par des vaches qui n'ont rien d'angevine. C'est des brunes des Alpes, c'est une vache suisse. Donc c'est une race de montagne qu'on élève en plaine, mais c'est en fait il y a très longtemps, elles ont été importées en Vendée. Donc, c'est une race laitière, très jolie, avec des grandes cornes, avec un pelage brun et puis les petits veaux, ils naissent tout blancs. Et qu'est-ce qui fait qu'elles se sont bien acclimatées en Vendée finalement ? C'est une race de montagne, donc rustique, avec des climats difficiles. En Suisse, très chaud, très froid, des pâturages difficiles bien sûr. Très riches. Et donc c'est une vache qui s'adapte très bien à tous les climats, tous les terroirs. On la retrouve un peu partout sur la planète. La cerise sur le gâteau, ou plutôt la tranche de chorizo sur la recette de champignons farcis au fromage, Stéphane va la dégoter chez Gérard. Ce spécialiste de la charcuterie catalane connaît ses saucissons sur le bout des doigts. Moi j'aime bien terminer ma galipette avec une rondelle de chorizo dessus, qui apporte à la fois une touche colorée, mais en plus également un petit tonus, surtout à la cuisson, ouais. Là on se fait bien plaisir. Et quand on jette un chorizo, c'est à l'œil, c'est la ficelle. Ça c'est important. La ficelle rouge et blanche, c'est piquant. Quand la ficelle du chorizo est rouge, c'est doux, enfin en Espagne. Tiens, tu prends le petit sac ? Attends, t'en veux d'autres ? Oh. Eh, vas-y, prends. T'es un gourmand, toi. Hein. Henri a à peine le temps de terminer son saucisson que son papa l'entraîne déjà vers les fruits et légumes. Alors, ce que tu fais, on va là. On va voir le monsieur qui nous vend ses endives. On va aller jeter du citron. Avec 1800 heures d'ensoleillement par an, des pluies abondantes et des gelées rares et brèves, l'Anjou concentre les avantages climatiques pour en faire le jardin potager de la France. Sur le marché Lafayette, Manu en est le meilleur ambassadeur. Vous allez bien ? Et vous ? Eh ben impeccable. Un peu froid ce matin, mais hein, bon, ça va aller quoi. Qu'est-ce qu'il vous fallait de beau aujourd'hui, monsieur ? Alors, aujourd'hui, je vais vous prendre quelques endives, oui. S'il vous plaît. Je vais vous demander 4 endives, oui. Plutôt moyennes, s'il oui. vous plaît. Donc c'est toujours les endives de cave, hein. C'est... Alors la différence, les endives industrielles, c'est poussé dans des bacs et de l'eau, alors que là, c'est poussé dans des caves à champignons, dans de la terre, quoi. C'est naturel, il n'y a aucun traitement, aucun produit, rien, quoi. C'est un peu plus long à venir, mais c'est pas amer. Et au goût, ça change tout. Et au goût, ça change tout. Et à la cuisson, c'est génial. Voilà. Alors, mes endives, je vais en faire une tatin au canard.
Donc je vais légèrement braiser mes endives, mais pas trop pour qu'effectivement elles ne soient pas amères, mais avec celle-ci normalement je suis tranquille. Je vais prendre du confit de canard que je vais effilocher et disposer sur mes endives, mettre une pâte feuilletée par-dessus, passer ça au four, et une fois retourné, j'ai une vraie tatin endives et canard. Un conseil, conservez vos endives au frigo à l'abri de la lumière. Ce légume typiquement hivernal ne supporte pas le soleil qui le fait verdir et accentue son amertume. Avant de quitter le marché, Stéphane fait un petit détour chez le crémier. Bonjour Laurent. Bonjour Stéphane. Ça va bien? Bien. Oui, la pleine forme. Ce fermier propose du lait de vache en vrac, mais surtout de bons œufs frais. Alors ici, c'est le grand jeu d'Henri. Henri, depuis maintenant plusieurs années que nous venons au marché, il arrive, il repère les œufs. On lui ouvre une boîte et il choisit ses œufs et il met ses œufs dans une boîte. Des œufs pondus par des poules très sportives. Elles ont un parc de 7 hectares qui est entouré. Et en hiver, on les lâche quand elles ont fini de pondre vers 11h le matin jusqu'à la nuit. Et puis en été, quand il fait chaud, dès le matin, dès le lever du jour, à 5h30, 6h, elles sont ouvertes jusqu'à 23h, jusqu'à la tombée de la nuit. Les œufs frais seront parfaits pour une brouillade. Il est temps de quitter le marché Lafayette et tous ses produits d'hiver. Mâche, céleri et un bouquet de mimosa pour patienter en attendant le retour des beaux jours.